dur alors. Putain. Coupez. Ok. Alors à part le son, la lumière, le cadre et le jeu des comédiens, pour moi elle est bonne. Non, je déconne, elle est vraiment bonne. Par contre les gars, calmos hein. Yann surtout hein. Je sais que t'essaies de donner l'aspect vrai à fond, mais mono, hein. Eh, hey, si t'as besoin d'une pause, tu dis. Pour toi et pour moi. Parce que là, je te le dis honnêtement, tu passes complètement à côté. Alors, je sais pas ce que t'as aujourd'hui, mais c'est pas une performance d'acteur, ça. Là, au maximum, on finit en DVD. Voire VHS. Il est bien. Bon, y a plus que les plans larges à faire, donc sur les prochaines, on est plus tranquille. Et vous massacrez pas la gueule, hein. C'est pas un biopic sur Schumacher. Schumacher. Ouais. Tu l'as? Ouais, non, mais va prendre des photos, tu sais pas ce qui est marrant, toi. Oh Yann, tu m'entends? T'as perdu un truc? Ma dignité hier soir avec ta sœur. mais je peux quand même t'aider à faire quelque chose ou... Non, j'ai juste paumé mon chercheur de téléphone. Mais j'en mets un, c'est quoi ta version, c'est quoi ton modèle? C'est où je me suis fait enculer sur les écouteurs. Eh ben j'ai le même. J'ai le même. Bah, je te le mets là. De rien. Non mais merci, mais merde, mais... Je m'en branle, casse-toi. Non, je t'emmerde. Un par jour. Je plaisante pas. Les troubles de la personnalité multiple, c'est pas à prendre à la légère. Ça vous fait rire. Et si je vous dis qu'il faut arrêter vos trucs de comédien de l'extrême ou alors c'est HP direct, c'est plus concret, hein? Vous savez pourquoi je suis célèbre, au moins? Oui, je sens bien que ça vous rend fier. Sauf qu'à force de perdre 10 kilos pour un biopic sur Sim, en reprendre 30 pour un super-héros qui lance des boules de foin... De feu? Tout ça pourquoi? Pour une statuette que vous avez toujours pas eue. Vous êtes devenu cocaïnomane, bisexuel, vegan en moins d'un an. Vous vous rendez compte ce que vous faites subir à votre organisme? Et croyez-moi, hein, sucer du gazon dans les backrooms avec le pif à Courchevel, ça n'a jamais aidé personne à se poser les bonnes questions. Mais le truc, c'est que moi je peux pas faire un break là maintenant. Enfin, c'est-à-dire, là, on est en train de me proposer la performance, quoi. C'est-à-dire que là, avec ce truc-là, c'est sûr que... Il y a un besoin de reconnaissance chez vous, mais ça va vous poser des problèmes. Parce que tous les personnages que vous interprétez, tous ces rôles que vous créez... C'est des performances. Ils s'installent dans votre tête. Et croyez-moi, vous commencez à être à l'étroit. Salut! Vous dites? Hein? J'ai rien dit là? Bah si, mais... En fait, c'est quoi le prochain rôle? Parce que si c'est un nazi pédophile, il va falloir être light, hein, sur l'implication, sur la performance. C'est un boxeur. C'est un film de boxe, c'est un peu un genre de Rocky, mais en... Ça s'appelle The Rock et Rocky. C'est moi. Bien. Un par jour. Bon, vous faites votre film. Vous pétez pas un plomb. Vous revenez me voir. Pour qu'on règle le problème. Hein? J'ai dit c'est quoi cette connasse? Évidemment que tu t'impliques à fond dans tes rôles. Et oui, ça laisse des traces. Isabelle Adjani, Jean-Claude Van Damme, Élie Kaku, eux aussi, on les a perdus. Mais on les aime. On les aime. Et le public, il t'aime. T'es une Isabelle, t'es un Jean-Claude, t'es un Cacou. Eh oui. Attends, si t'avais pas un fait au casque, tu crois que t'aurais joué tout ça? Bienvenue sur la bande des mots de Yann Vladim. Yann Vladim. Quelqu'un a demandé du feu? Oui, le briquet. Ça sent le roussi pour les méchants. Accroche, vas-tu avec la broche? Je pense que c'est pour la ville, hein? Le mec. Et le pigeon. Gaspard! Quoi? Est-ce que tu viens manger? Non, attends, y'a les... Je viens, ouais! My grosser panin. Tu viens manger? J'ai un numéro très spécial qui finit en U intégrale. B. Story. Hey, c'est pas tous les comédiens qui se font enlever le sgeg pour un rôle. Hein, surtout pour se le remettre après le tournage. D'ailleurs, c'était bizarre, ça. T'as coupé, t'as remis, t'as une prothèse.
tu la gonfles quand... Je sais pas, je dormais. Non, mais c'était top. C'était top. Ouais, enfin, bon, en tout cas, t'as filé des médocs dont tu peux bosser. Alors, pour le film de boxe, la prod m'a appelé. Ils aimeraient ajouter un aspect au personnage. Le mec... comment ils m'ont dit ça? Le mec, il a qu'un rein. Hein? C'est ce qu'ils m'ont dit. Le boxeur, il a qu'un rein. Ça paraît con, là. Mais tu vas voir, c'est intéressant, quand même. Il fait de la boxe avec ses deux bras, ses deux poings, mais un rein. C'est le courage, quoi. Oui, il n'y a pas de problème. Je me fais enlever un rein. c'est bien, ça. Ça, la presse, elle adore, tu comprends. Et puis, tu pourras toujours dire que la statuette, elle t'a coûté un rein. On est d'accord qu'après, par contre, tu me... T'inquiète pas, de toute façon, je t'en retrouverai un. Attends, la plupart des rôles que je te trouve, ils ont deux reins. Donc, si je veux continuer à bosser avec toi, il faudra que je t'en trouve un autre. Non, là, tu vois, c'est quoi? Je vais te dire, c'est le délire d'un bon réal. Parce que de toute façon, un bon film, c'est vrai, ça laisse des cicatrices. Hein. Tu le sais, ça. Hein? Ça va, petit gars? Je te sens chelou. C'était quoi ton mec? Mec, je suis tellement content d'être mort cette jour de... Ça brûle, ça brûle, ça brûle. J'ai un numéro très spécial. Putain! T'es l'anticlatile qui est mon pote! Prends ton médoc tout de suite. Prends deux cachets. Demain, tu réduiras la dose, mais deux... aujourd'hui, là, je crois que c'est bien. C'est l'envie d'être quelqu'un d'autre qui vous motive. Vous savez, je pense qu'on a tous envie d'être quelqu'un d'autre une fois dans sa vie. Après, il y a la manière dont vous voyez, et la manière dont les autres ont envie de vous voir, quoi. C'est chiant ce que je dis, hein. On dirait un peu Bleu de Chanel. I'm not going to be the person expected to be anymore. Je peux bien, hein. Qui est Yann Vladim? Quoi? Qui est Yann Vladim? Je pense que je suis la personne que vous voyez au moment où vous me voyez. Et là, tu vois quoi? Un tocard. J'ai bien aimé ce que t'avais répondu, là. Je suis ce que vous voyez au moment où vous me voyez. C'est tellement ça. Ta gueule! Bah... En tout cas, quand t'es prêt, tu... On t'a caché le plateau. Alors, t'as quelque chose à dire? Arrête, Yann! Non, il est bizarre là. Non, il est dans sa tête là. Il est dans son perso là. Oh putain, acteur studio. Ok, c'est bon. Allez. Mateur. Ça tourne. The Rock et Rocky, séquence 13 sur 3 pro. Action. Yann. Laisse-moi sortir. Yann, qui m'a installé. J'en fous quoi. Laisse-moi sortir ou je te crie la gueule, Yann. Yann, laisse-moi sortir. Ma dalle, c'est mon pote. Non, laissez tourner.
tu... C'est un film sur l'histoire de Yann Vladim. Performance d'acteur. Sur un vrai fou. Un vrai fou. Et je sais de quoi je parle, hein. J'étais son agent mon compte interne. C'est le rôle de ta vie. Par contre, ça implique que t'aies des problèmes mentaux. Pas de problème, j'en aurai. Ma vie. Vous pouvez pas me masturber de poil parce que vous... Non, vous n'utiliserez pas mon pouvoir. Je suis un homme de... C'est qui? C'est pas... C'est moi. Laisse ça. Arrête de parler. Alors on la refait tout de suite.